Et salut à tous les amis, ça y est, donc un nouvel épisode de Stardew Valley, donc c'est parti. Le dernier épisode était plus court parce que il y a eu la fête de la fleur et du coup bah voilà. Mais bon, là on va avoir un épisode un peu plus classique on va dire. Donc c'est parti, pourquoi il veut pas bêcher? Voilà, c'est bêché. Du coup là on a assez d'argent et il pleut toujours pas pour aller chercher largement autre chose. Donc, je veux la hache à tout prix, les amis. Ça, c'est une certitude. Tac. Donnez-moi mes pommes de terre. Allez, donnez-moi tout ça. Oh, on va casser cet arbre qui nous enquiquine. Et vous savez quoi? On va aller tout vendre directement à Pierre. Allez. Voilà, comme ça, le bois ne nous enquiquinera pas. On va vite fait donner de l'eau aux chiens. On va juste arroser les petites plantations là. Hop. Allez, j'arrose ce champ et après je vous reprends les amis. Alors les amis, c'est parti. Donc on va planter... Ah, punaise, je viens de faire une erreur les gens qui m'a permis de comprendre comment enlever les terrains qui sont bêchés. Regardez! Oh, je suis heureuse! Yes! On va pouvoir mettre un bloc de chemin! Oh, trop cool! Là, je sais pas, le terrain, il fait un peu galet et il n'y a pas de galet. Alors, on va planter tout ça, du coup. Et on va arroser tout ça. Pas tout de suite. Parce que d'abord, j'ai envie d'aller chercher la hache. Et d'aller voir Pierre. Donc, c'est parti, on y va maintenant. Ah, ah, ah. Hello, tu montes pas, tu vas là-bas. Allez, c'est parti, les amis! Oh, c'est trop cool! J'ai découvert un truc qui va m'aider! Ah, une jonquille. Allez, hop, on prend. Allez, go. On y va. Toulou, 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 toulou. Bon. Ah, il y a quelque chose. Attendez. On est le 25. Il n'y a rien. Et le lendemain, c'est l'anniversaire de machin. Je cherche un anchois. Non, j'accepte pas l'anchois, on l'a à la pêche, je pêche pas, ça me saoule la pêche en jeu. Bah. Ah, ça y est. Salut Pierrot, comment ça va? Yes, les gens, on a du pognon, on a de l'oseille. Oh, c'est trop cool. Bon, allez, sans blague, hello. Tu vas aller voir Clint. Avant de raconter n'importe quoi. Allez. C'est un jeu super calme. Là, je suis en mode trop lolol et tout, là. Je sais pas. C'est la forme attitude, les gens. C'est comme ça que ça s'appelle. Hop, on ramasse ça. La petite palourde des familles. On fait fuir les mouettes. Allez, où c'est les sales pigeons, mes deux? Ah, Elliot. Qui n'est pas toujours sympa avec nous, d'ailleurs. Ah, il y a encore des trucs à ramasser. Nice. Faut pas hésiter à venir là, les amis, parce qu'à chaque fois que vous passerez ici, il y aura toujours des trucs. Et ça, c'est cool, parce que ça fait un peu d'argent. Pourquoi elle ne peut pas passer? Et je perds encore la voix. Ici, la voix. Ça va devenir une habitude dans mes épisodes. Alors. Tac, 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 tac. Oh là, j'imagine même pas comment ça sera le jour où j'arriverai, où je serai complètement à fond, les amis. Alors, je vais vous le dire, ça craint. Clint, c'est par là, normalement, notre ami Clint. Ouais, là-haut, on remonte. Je pense que le prochain épisode, on fera clairement mine. Merci, je commence dès que possible, ça devrait être prêt dans 2 jours. Ah, on est 2 jours sans hache. Ah! Ah! Problématique! Non, faut passer par là. Toulou, toulou, toulou. On va aller voir notre petite copine Robin, c'est aller chez elle. Histoire de voir ce qu'il faut pour pouvoir avoir peut-être la maison ou je sais pas trop quoi. Parce que là, j'avoue qu'on a 4000 de gold. Donc on est pas mal. Et on a encore plein de trucs à arroser et qu'on devra ramasser plus tard. Donc je me dis pourquoi pas investir directement l'argent dans la maison. Surtout si ça nous permet de faire des petites choses sympatoches.
Est-ce qu'on peut passer par là? Bonjour, je voudrais aller voir Robin. Il y a Corélie, la petite peste. Alors. On peut pas aller. Ah, punaise. Mais il n'y a pas d'autre endroit pour. D'autres moyens d'aller chez Robin à part de faire le grand tour là. Alors là, je sais que pour la quête, du coup, il me faut ma hache améliorée. Donc dès que la hache sera améliorée, eh ben, on s'occupera de faire la quête avec le bois et tout là. Mais là, actuellement, je ne peux pas. J'ai pas assez d'énergie pour pouvoir aller à la mine, clairement. On va se faire rétamer. Est-ce que aller chez elle, Robin? Yes! Ah, 10 000! Ah ouais! Ok, t'es chaud! Construire des bâtiments. Donc, il faut les animaux. 4 000 pour un élevage. 6 000 pour avoir 4 animaux. Pour avoir... Hop. C'est ça qu'il nous faut, les amis. Donc, 100 pierres. Donc, je vais noter ça. 100 pierres, 5 lingots de cuivre et de l'argile. Très bien. Eh ben, merci, Robin. À la prochaine. On va garder nos sous. Et vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire. On va s'occuper d'avoir de la clé. Donc, la clé, on l'a en labourant. Donc, on va essayer de labourer pour pouvoir avoir ça. Et normalement, je pense qu'on les cuivres, bah, il nous manque juste du charbon. Je pense. Mais on va essayer de se faire ça. Allez, descends, Hello. Je pense que du coup, on va réinvestir de l'argent dans des graines. Comme il va falloir qu'on ait les matériaux, autant investir dans du panier. Où là, le panier, ça va nous être très utile et ça se récolte assez vite. Bon, on a toujours le problème de l'énergie quand on prend du panier, mais bon. Hop, vous voyez, 30 panés, on n'en a pas eu pourtant que ça, donc c'est plutôt bien. Alors, on retourne à la maison, on va aller s'occuper de nos plantations. Au moins, on aura la hache, quoi. Ça, c'est bien. C'est cool, ça. Mais vraiment cool. Alors. Allez, ah, j'ai pas regardé ça, c'est vrai que ça clignote depuis tout à l'heure. Ah, voilà, on a eu une quête de fini. Construisez un poulailler. Ah oui. Atteignez le niveau 1 en agriculture et fabriquez un épouvantail. Bon, on l'a déjà fait, ça. Il faut que... Ah, faut que je refasse un épouvantail, du coup. J'en ai un d'épouvantail, je suis pas barge. Bah oui. Ah bah, on va regarder, on va recraft un épouvantail, les amis, écoutez. On va planter tout ça. Ah, oh, c'est trop bien. Je suis contente, on progresse. On va avoir une hache améliorée, les amis. C'est le début de la fortune. Hop. Allez, donnez-moi de la clay. Parce qu'en vrai, si on peut faire le silo aussi, ça serait top. Allez. Hop. Allez, on va arroser un peu. Ah, mais il faut vraiment qu'il pleuve, hein, les amis, là. Il n'y a pas le choix. Hein, parce qu'on s'en sortira pas, en fait. Hop. Oh, j'ai même pas. Vous voyez? J'ai quasi plus d'énergie et on n'a encore rien fait au niveau arrosage du truc. Là-bas, on a encore plein de graines avec les fraises, les haricots, les choux-fleurs. On est dans la mouise totale et absolue, là. Hop. Est-ce qu'on peut faire un casse-croûte? C'est ça que je pose la question. Ouais, on commence à fatiguer. On va les vendre. Ça. Attendez, on n'est pas devant. Voilà, c'est ça le problème. Alors, il nous faut 102 cailloux. Donc, les 100 cailloux, on les a, c'est pas un problème. Ça, j'en ai. Il me faut juste. Il faut juste, du coup. Bah on va regarder pour l'épouvantail, écoutez, à défaut de plus avoir assez de... quasi plus d'énergie. Est-ce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour le casse-croûte? Je crois qu'il nous manque un truc. Attendez. Je dis un truc, mais je regarde pas, alors. Tout va bien. Ouais, il nous manque un truc pour faire le casse-croûte. Alors, artisanat. Ouais, il nous manque un gland. Ah, on a...
On a une rainette. Ah, il faut attendre que le réservoir se remplisse. Ok. Du coup, ouais, on va être un petit peu embêté encore avec ça. On peut faire des ruches. L'épouvantail, du coup, il nous faut 20 fibres, un charbon. Ah bah du coup, on n'a pas de charbon, donc ça, on va être embêté. Faut qu'on fasse un peu d'amélioration au niveau de la base pour faire la quête. Alors, on a presque plus d'énergie, donc ça va être un petit peu embêtant. Il nous reste 14 d'énergie. Il est 18 h. On a une géode, on a eu un charbon. C'est cool. Alors, l'épouvantail, du coup, il nous faut des fibres. Alors, pour avoir des fibres, il faut casser tout ça. Et ça va, ça ne nous prend pas d'énergie. Ah, c'est cool, on va pouvoir avancer peut-être au niveau de l'épouvantail. Donc, il nous en faut 20, donc c'est un petit peu chaud, on va pas se mentir. Mais voilà, on peut y arriver, on va y arriver, on va réussir à développer cette base, vous inquiétez pas. J'ai confiance en notre pouvoir. Alors, c'est pas ça qui nous donne des fibres? Ah si, d'accord, c'est juste rare. Allez, copine, donnez-moi des fibres. On veut plus de fibres. Ah, des graines en vrac. Mais non, mais... Oh, quelle quiche. Alors, il est 20 h. On a 10 fibres. Il nous en faut 20. On devrait en avoir. Allez, vite, 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 vite. Donnez-nous des fibres. Donnez-nous. Donnez-nous en plus. Toujours plus de puissance. Il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Quel dommage. Graines en vrac. C'est plutôt cool. Il nous en manque encore 4. Allez. Oh, nice! On en a assez, les amis. Vous savez quoi? Maintenant, on va la stocker, la fibre. On va plus la vendre. De toute façon, ça nous rapporte rien quand on la vend. Et quand on en a besoin, on galère à en avoir. Donc, autant la garder. Il est 21 h, mais on a encore un petit peu de temps. Du coup, du bois. Artisanat. C'est parti. On a un d'épouvantail. Toc. Voilà, on a notre épouvantail. Alors, ça, je le mets là-dedans. Ça aussi, la géode, on va attendre d'en avoir plus. Les graines en vrac, on va les planter dans le chantier ici. Hop. Ouais. Non, 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 va à la maison, s'il te plaît. Allez, allez, allez. Allez. Mais non! Mais pourquoi elle avance pas? Rentre chez toi. Ah, ça me fait tellement rire à chaque fois quand on la voit comme ça. Allez, fais dodo, copine. Petite copine. Alors, four à charbon de bois. Oh, trop cool! C'est l'été? Déjà? Ok, 300 gold. Bon, c'est pas énorme, les amis, mais voilà. On va s'en sortir, on va y arriver. No panique. Alors, on a 4000 gold, donc on a toujours ce qu'il faut. Moi, vent chapeau. Ok, poteau. Viens dans vieille, vieille maison. Poteau, amène pièce. Souris, chapeau. Ok, je vois pas où t'es. Où t'es dans le... Je vois pas où c'est. Où est-ce qu'il se pourrait être, cette personne? Comment est la vie à la campagne? Ça paraît vide ici sans toi, mais je suis fière de ce que tu as accompli. Je t'aime, papa. J'ai trouvé une enveloppe avec un peu d'argent que papy avait laissé pour toi. Oh, nice. Ils nous ont donné des sous. C'est trop beau. Alors, nice. Avancement. Élever des animaux. Construisez un poulailler. Donc, on le fera plus tard. Et atteignez le niveau 40 dans les mines. Donc, dans les mines, c'est un peu plus chaud. Mais voilà, on peut y arriver. Bon, il pleut toujours pas. Donc, vous voyez, le jeu a décidé de ne pas être mon ami. Hop. Et le truc, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de la clé aussi, quoi. On peut le ramasser, le chou-fleur, ou pas encore? Yes! Attends, je pourrais déjà le ramasser le jour d'avant. Non, je veux pas. Je veux pas vendre le... Je veux pas manger le panais. On va le vendre.
Yes, donc voilà. Donc on va arroser. J'arrose le champ là ici un peu et je vous reprends après. Alors les amis, j'ai quasi tout arrosé. Il n'y a que ici que j'ai pas arrosé, mais je vais pas le faire tout de suite. J'ai envie de garder de l'énergie parce que je voudrais casser du bois. Etc. Et là, on va surtout regarder au niveau du coup du four à charbon de bois qu'ils nous ont dit. Alors, la forge. Alors, 20 bois et un lingot d'or. Ah, comment on obtient de l'or? Ok. Ok. Bon, on essaiera de se faire ça. Écoutez, à mon avis, il faut qu'on aille explorer dans la mine. Donc, je vous avais dit qu'au l'épisode suivant, on irait dans la mine. Donc, c'est ce qu'on fera. Comment c'est que j'ai plus la hache dans mon inventaire? Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui l'a. Je peux pas casser du coup de tronc. Ah, la mouise! Hop. Hop. Hop, on va casser un peu de cailloux, écoutez. On déblaye ce qu'on peut. Et je vais aller faire un tour, tenez, là-bas, plus bas. On y va rarement. Ça tombe, on a des trucs à ramasser et tout. En tout cas, dès que on a construit les trucs avec Robin, ça va nous aider, je pense. Le prochain outil que j'améliorerai, c'est la pioche, clairement. Parce que, ouais, on va être un petit peu en panique, sinon. Donc comme je vous ai dit, maintenant tout ce qui est fibre, je vais stocker. Parce que c'est assez compliqué à avoir. On peut pas casser. Oh non. Allez, laissez-moi passer. Je déteste les endroits où passer dans cette map. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui se trame par ici? Est-ce qu'il y a des gens à croiser, etc. Parce que j'aime bien croiser du monde et tout, lire un peu ce qu'ils se disent et tout, ça peut être sympa, c'est sympa, je trouve. Ah, on a le marchand itinérant. Salut, madame. C'est l'arroseur qu'on a fait? Ouais, oh, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Graines de tomates, graines rares. Ah, je suis bien tentée. On peut en acheter qu'une. Ah bon, on verra la rentabilité, les gens, écoutez. Je pensais qu'on pourrait lui en prendre plus, mais visiblement non. Alors, qu'est-ce qui se trame par ici? Est-ce qu'il y a des gens à voir? Salut! Il y a quelqu'un dans cette clairière? Bonjour, bonjour. Non? Ah bah. On prend. Ah, il y en a encore un. Ah, bah il y a des petits trucs à ramasser. Ah, tiens, c'est quoi ici? Vieille casquette. Ouais, non, on s'en fiche un peu. Il n'y a rien d'extraordinaire? Y a quelqu'un ici? Wouhou! Bonjour! Personne? On est où d'ailleurs? Je connais pas le monde par cœur, hein, les amis. Ok. Donc là, on va. Ouais, voilà. On réatterrit là où il y a la bouche d'égout. Tiens, il y a un truc à ramasser, c'est quoi? Ok, un oignon. Ah, il y a une fleur. Attendez, ça, on la prend. Ça rapporte de la santé et tout. Comme dans le prochain épisode, on va aller dans la grotte. Dans la mine, du moins. Faut qu'on arrive à atteindre le niveau 10 cette fois, hein, parce qu'à chaque fois j'y arrive jamais. Bon, bah visiblement il n'y a personne, écoutez. C'est très très calme. Hop. Ah, encore une fleur. Bon, bah écoutez, on va retourner vers la ferme, hein, on va finir d'arroser, et puis voilà, hein, j'ai envie de vous dire. S'il n'y a personne, il n'y a personne, hein, on va pas chipoter pendant 10 ans. Ah, c'est l'anniversaire du médecin. Faut que j'aille lui amener une fleur, attendez.
Allez, Lou. On va aller voir le médecin. Hop! Oh, ça aussi, ça nous rapporte de la santé et tout. Donc ça, je vais le garder, vous voyez. Donc on prend une fleur. La fibre, on la range. Ça, on range. Hors saison, d'accord. Écoutez, on range tout ça. On va aller voir le médecin, du coup, pour lui donner une fleur. Je sais pas si ça va lui plaire ou pas, mais on va voir. Écoutez, au moins, on aura donné un cadeau à un anniversaire à quelqu'un. Encore, donc c'est plutôt cool. Pour faire fonctionner un peu l'amitié, on va dire. Hop. Je sais pas encore qui je vais tenter d'être. Parce qu'en gros, si on se met avec quelqu'un, il peut nous aider à arroser nos champs et tout. Donc je trouve ça plutôt bien. C'est fermé. Ah, 9h-15h, ok. Tu es 8 slams. Ah bah, j'accepte. J'accepte parce qu'on va aller dans la mine après le prochain jour pour l'épisode suivant. Et comme ça, normalement, dans l'épisode suivant, on devrait récupérer notre hache. Parce que là, on est un peu coincé du coup, parce que j'aurais voulu farmer un peu de trucs. Bah, on va essayer. Ah, j'ai eu une fleur avec une étoile. Une dent de lion. Plutôt cool. Alors. Tac. On va garder tout ça. On a deux charbons. Donc on va mettre à cuire le cuivre. Hop. On va finir d'arroser ça. On a encore de l'énergie. On va casser du caillou avec l'énergie qui nous reste. Comme ça. Voilà. La pioche. On va déblayer un peu tout ça. Parce que je pense qu'on va forcément mettre des petites choses par ici et tout. Donc, quand il va falloir qu'on construise des choses. Ah, c'est cool. Vous voyez que la hache, on va pouvoir dégager tous les troncs qui traînent et tout, là. Ça va être top. Ah, bon, j'ai encore des graines en vrac. C'est cool. C'est cool, les amis. Je suis contente. On va progresser. Hop. Bon, en tout cas, voilà. Au moins, on a eu la hache, j'ai envie de vous dire. C'est déjà ça. C'était un peu l'objectif de l'épisode d'avant et que j'avais pas réussi à faire. Au moins, dans cet épisode, c'est fait. Là, voilà. Il nous faut de la clé pour le silo. Et il nous faut du cuivre. Donc là, j'ai mis le cuivre que j'avais. Là, on tente de casser du caillou, comme ça, on va pouvoir en faire cuire d'autres. Comme ça, l'épisode suivant, je pense qu'on pourra... Il y a moyen qu'on aille chez Robin avant d'aller à la mine. Ouais, on n'a plus d'énergie. Alors, écoutez, hop, c'est simple. Maison, maison, maison. Hop. Alors, hop. J'ai un lingot, j'en ai pas dans le coffre. Hein. C'est ça. Alors. On va en avoir 3 de lingots sur les 5 qu'il faudrait. Et il nous manque la clé. What? Elle peut pas encore dormir? What the fuck? Ah, voilà. Ah là, on fait dodo. Niveau 5 en agriculture, choisissez une profession. Éleveur ou laboureur? Ah, faut choisir. Laboureur ou animaux? Ah, les amis. Choix cornélien. En vrai, laboureur, ça vaudrait le coup. Mais en même temps, animaux, plus 20%, quoi. Donc, je prends les animaux. Même si pour le moment, on n'en a pas encore. On en aura bientôt. Ah, nice. On a tout ça. C'est plutôt cool. Donc là, il nous faut le silo à tout prix, maintenant. Alors, les amis, on se laisse là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous.